thank you Bonjour à tous, bienvenue. Hop là, je coupe ça. Bienvenue ce matin pour cette web conférence. 990 autoïquants en 30 jours. Comment gagner plus de 300 points de en 30 jours? On va commencer dans un instant. Euh, J'active également ma vidéo. Hop là, voilà. Donc bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez marquer dans le chat si vous entendez bien ma voix, si vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Marquez dans le chat si vous voyez bien mon écran et si vous entendez bien ma voix. Et ensuite, tout simplement, hop, on va arrêter ça. Voilà. Alors, ok, oui, 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 bonjour, bonjour, oui, oui, ok. Bon, ben, je vois que tout fonctionne parfaitement. Ok, très bien. Oui, 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 ok. Bon, ben, c'est parfait. Euh, bienvenue à vous encore une fois pour cette webconférence ce matin. Ça me fait extrêmement plaisir de partager ce moment-là avec vous pour vous aider à améliorer votre TOIC. Euh, avant de commencer, en fait, pour faire plus en plus connaissance, je vais vous demander de marquer dans le chat tout simplement de quelle ville et éventuellement de quel pays vous vous connectez. Ça nous permettra vraiment de mieux se connaître. Puis, euh, c'est toujours intéressant de savoir de où vous vous connectez euh, grâce à cette webconférence. Marquez dans le chat de quelle ville et de quel pays vous vous connectez si c'est en dehors de France. Donc, Strasbourg, Paris, Paris, ok. Nadine de Toulouse. Charline de Paris, Héloïse de Paris, Thaïs de Lyon, Pascal de Paris, ok, aussi, ok, excellent, ok, Paris également pour Yanis, ok, très bien, donc vous voyez bien, pour l'instant, vous me voyez bien, moi, euh, je vais également faire en sorte que ça, ça soit resté, hop, voilà, épinglé, et voilà. Donc, bon, ben, en tout cas, ravi de faire cette webconférence avec vous ce matin. Ça me fait extrêmement plaisir. Euh, ben, on va commencer tout de suite donc, cette webconférence. Je vais désactiver, euh, enfin du moins, je ne vais plus voir hop, ça et je vais partager mon écran. C'est parti. Voilà. Et il euh, y a un petit problème, il me semble, par rapport au partage d'écran. Je vais juste vérifier quelque chose. Voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas paramétré correctement. Euh, attendez, je vais vérifier que tout fonctionne correctement parce que je ne suis pas sûr de partager le bon écran. Je pense que c'est bon, mais je vais quand même vérifier un instant. Euh, hop, voilà. Alors, voilà, je vérifie tout de suite directement sur YouTube. Et non, c'est bon, c'est bien ça. Euh, bah C'est parfait. Donc, euh, je n'étais pas sûr d'avoir le bon écran, on partage l'écran. Donc, ça serait dommage que vous ne voyez pas les slides. Donc, on commence effectivement tout de suite cette webconférence 990 sur en 30 jours. Il va y avoir euh, énormément d'informations pour vous ce matin. Je vais vous partager énormément euh, d'astuces, de conseils par rapport à votre TOIC. Donc, restez bien attentifs. Il y aura une session de questions-réponses à la fin de cette webconférence. Vous partagerez également euh, d'autres conseils, d'autres astuces à ce moment-là. Je répondrai à toutes vos questions. Euh, je vous donnerai également la possibilité de rejoindre mon accompagnement, euh, booster votre score AutoIC en 30 jours. Ça, on en parlera tout à l'heure, mais à des conditions vraiment euh, préférentielles. Voilà, donc ça. Mais là, pour l'instant, on commence vraiment avec 990 auto en 30 jours. Donc, cette webconférence gratuite ce matin. Et on attaque tout de suite. Alors d'abord, quelques informations extrêmement importantes par rapport à votre environnement. Euh, je vais vous recommander tout simplement de couper toutes les euh, sources de distraction autour de vous. Donc euh, tout simplement, euh, bah, tout ce qui peut vous déranger pendant cette webconférence, c'est-à-dire le téléphone. Euh, si vous avez éventuellement des choses autour de vous qui peuvent euh, poser problème, des messageries ou des choses comme ça, coupez-les ça sera toujours beaucoup mieux. Euh, également, prenez de quoi prendre des notes et de quoi vous désaltérer. Pourquoi ben, Tout simplement parce que, encore une fois, je vais vous partager beaucoup d'informations importantes ce matin. Et euh, ben, malheureusement, vous n'allez pas tout mémoriser. Donc, ce serait dommage si vous loupez une information intéressante. Donc, notez-la directement euh, sur une feuille. Vous prenez une feuille, vous prenez tout simplement euh, une feuille. Un crayon, et hop, comme ça, vous pourrez tout simplement garder toutes les informations dans votre esprit. Également, prenez de quoi vous désaltérer, bah, tout simplement pour éviter d'avoir à vous lever si vous avez une petite soif et du coup, bah, vous louperiez encore une fois des informations importantes, ça serait dommage. Également, je vais vous recommander de, tous, de couper tout ce qui consomme de la bande passante Internet sur votre ordinateur. C'est-à-dire concrètement euh, les téléchargements, s'il y a des pages Facebook qui sont activées en arrière-plan, coupez-les également. Euh, si vous êtes sur smartphone, je ne sais pas exactement ce qu'il faut couper, coupez Messenger, coupez tout ce qui est euh, possible de couper pour vraiment être concentré à 100% sur cette webconférence. Et également, pourquoi il faut couper tout ce qui consomme de la banque passante Internet Tout simplement parce que malheureusement, euh, on est en train de faire un streaming, en fait un appel live. Et du coup, bah, si vous avez d'autres activités sur votre ordinateur, vous risquez de mal m'entendre ou de m'entendre parler comme un robot. Et ça serait extrêmement dommage. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous allez voir ce matin dans cette webconférence Vous allez voir les quatre leviers surpuissants euh, d'augmentation express de votre score toic, Donc, ces quatre leviers à appliquer dès aujourd'hui. Pour augmenter votre score TOIC, vous allez voir également sept erreurs que vous devez absolument éviter à l'examen de TOIC. Et vous allez voir notamment que si vous ne faites plus l'erreur numéro 7, vous gagnerez un nombre considérable de points. Ça peut aller jusqu'à 50 points et bien plus encore parce que j'ai prévu d'autres surprises à partager avec vous ce matin. Qui est-ce que je suis pour présenter cette webconférence ce matin Après tout, c'est normal, hein. vous vous êtes présenté à moi, vous m'avez dit de où vous venez. Euh, eh bien, je vais me présenter également. Donc, je suis Stéphane, le fondateur de .com, donc le site leader en France sur euh, la préparation à l'examen du toïque. Je suis également le créateur de la méthode Booster votre score au en 30 jours. Et pourtant, à la base, je n'étais vraiment pas fait pour faire ça, pour préparer euh, des étudiants, pour préparer des salariés à passer leur Pourquoi Parce que j'ai eu à peine la moyenne au bac en anglais. Euh, pourquoi Parce que tout comme vous, je pense hein, je détestais la façon dont les cours étaient enseignés. On est d'accord le fait que Janice soit in the kitchen, que Brian soit in the living room, ou euh, des cassettes à l'ancienne, où on apprend euh, la vie palpitante de, des Johnsons qui sont en voyage à New York, je sais pas quoi, ou des trucs comme ça. Le plus grand du temps, ça nous a pas passionné. Surtout que la grande majorité du temps, le problème des cours de langue en France, c'est qu'il y a énormément de focus sur la grammaire. Le souci, c'est que la grammaire, c'est pas vraiment un souci. On en parlera tout à l'heure. Et du coup, au final, on passe plus de temps à discuter de règles de grammaire a vraiment parler en anglais, qu'à vraiment comprendre l'anglais. Euh, et c'est pour ça vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi justement et qui me disent Stéphane, euh, ben, accompagne-nous, -nous, aide-nous tout simplement pour nous améliorer en anglais, pour améliorer notre TOEIC parce qu'effectivement, malheureusement, euh, ce qu'il y avait à l'école, ça nous a pas suffi du tout. Le problème, c'est que pendant mes études de commerce, on m'a demandé d'obtenir 750 points minimum au TOEIC. À ce moment-là, c'était pour le mois suivant et de nature astucieuse bien sûr j'ai cherché des moyens pour booster mon score j'ai notamment regardé énormément d'informations j'ai lu des livres sur le sujet tout simplement de la mémoire de la mémorisation rapide de l'apprentissage des langues de la façon dont on pouvait apprendre une langue de la manière la plus efficace possible également de la façon dont le TOEIC était constitué parce que c'est un examen qui est extrêmement particulier donc j'ai fait beaucoup de recherches et ça a fonctionné puisque j'ai eu un mois après exactement, 990 sur 990 sur dès le premier essai. Et aujourd'hui, je partage mon expérience et mes conseils avec vous sur réussirtoïk.com. Et depuis 2014, j'ai aidé des milliers de personnes à obtenir le score qu'elles souhaitent. Alors, ce n'est pas que moi qui le dis, j'ai également des retours à vous partager par rapport à ça. Notamment euh, le retour de Kirillos qui a marqué Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. Grâce à tes différentes méthodes, j'ai pu passer de 615 début septembre à 865 et avoir mon diplôme d'ingénieur en octobre. Je ne saurais te remercier bien cordialement, Kirillos. J'ai également eu le retour de Amandine qui a marqué euh, Bonjour Stéphane, j'ai suivi la méthode et j'ai décidé de passer l'autoïque le 20 février. Donc, bien avant la fin du challenge. Et j'ai obtenu un score de 845. Donc, je voulais vous remercier car jamais je n'aurais pu imaginer atteindre un tel score en moins de 20 jours. Et vos conseils ont fonctionné pour moi. Et aujourd'hui, je vais enfin recevoir mon master avec un excellent score de 845 au lieu de 785. Merci encore. Et également le retour de Mohamed qui a marqué ce mail, juste pour te dire que j'ai suivi ton programme, j'ai passé le TOEIC avec un score final de 900 et euh, j'avais commencé aux alentours des 700. Mon objectif était à environ 850, ce qui est donc bien mieux que prévu. Merci encore pour tout, bon courage pour. La suite. Et en bonus, j'ai également eu un retour la dernière fois que j'ai fait cette web conférence sur le chat en fait d'une participante qui a dit ah euh, ok bon bah, du coup vu que je suis déjà membre de l'accompagnement et que j'ai déjà accès à cette formation, euh, bah, je ne vais pas rester. Mais en tout cas après six jours, il me semble qu'elle avait dit six jours ou cinq jours, euh, j'ai déjà amélioré euh, mon anglais et ma compréhension. Donc du coup, je suis ravi, bien évidemment. Donc voilà. J'ai également écrit des articles pour d'autres sites célèbres dans le milieu d'éducation comme anglais 5 minutes ou réussir et enfin le magazine Challenge, oui je dis Challenge en français parce que c'est un mot aussi français, a parlé de réussir TOEIC comme un des meilleurs outils pour se préparer à l'examen du TOEIC. Et on va maintenant tout de suite aborder les quatre leviers de croissance rapide de votre score TOEIC. J'espère que vous êtes toujours à 100%, vous êtes toujours motivé. Et on commence tout de suite avec le levier numéro 1, ce que j'ai appelé tout simplement l'immersion chez vous. En fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui se disent, je vais partir à l'étranger et au moment où je vais partir à l'étranger, ça y est, je vais parler un anglais fabuleux, ça y est, mon niveau de TEI va exploser, ça y est, je vais être enfin au top. Sauf que le souci, c'est que ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que partir à l'étranger, ça ne peut pas vous faire progresser comme par magie. C'est-à-dire qu'il ne vous suffit pas d'aller dans un pays pour que la langue se télécharge comme par magie dans votre... Cerveau. Il y a beaucoup d'expats qui vivent dans un pays sans parler la langue. Et oui, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans le pays que la langue se télécharge comme ça, comme si on était dans un ordinateur et qu'on téléchargeait un fichier. Ça serait simple, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Ce que je vais vous recommander de faire, c'est beaucoup plus simple et c'est surtout beaucoup plus pratique vu que vous allez pouvoir le faire dès aujourd'hui sans avoir besoin de quitter euh, ben, votre logement ou votre pays. Je vais vous recommander de vous immerger dans la langue du pays chez vous. Alors, comment faire concrètement euh, Je vais vous partager plusieurs ressources, c'est important de les noter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « bah oui, écouter du contenu en anglais tous les jours, pourquoi pas, bien sûr », mais c'est une différence entre savoir qu'il faut le faire et le faire. La première chose que je vous recommande de faire, c'est d'écouter du contenu en anglais tous les jours autant de manière active que de manière passive. Ça veut dire quoi Ça veut dire que autant je vais vous recommander d'écouter activement euh, des, vi des vidéos, pardon, la radio, euh, tout simplement euh, sur votre smartphone ou sur votre ordinateur et de tout simplement euh, ben, regarder ce que vous comprenez, de noter le vocabulaire que vous ne comprenez pas euh, et de l'apprendre tout simplement en regardant les définitions. Ça, c'est la méthode active. Mais je vous recommande également la méthode passive, c'est-à-dire je vous recommande également de mettre en fond en permanence, quand vous êtes chez vous, le maximum possible du temps, des ressources en anglais. Donc la radio en anglais, c'est super pour ça. Et du coup, ben, ça va faire quoi Ça va faire que même si euh, consciemment, vous n'allez pas tout simplement mémoriser euh, des mots précisément, vous n'allez pas mémoriser euh, des choses de manière active, ça va toujours vous créer une immersion au niveau de votre cerveau et ça va faire que la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un en parler en anglais, la prochaine fois que vous serez à l'examen de TOIC, votre cerveau arrivera beaucoup plus facilement à comprendre ce qu'il entend parce que c'est quelque chose qu'il a entendu fréquemment. Et donc, ça va clairement vous aider. Donc voilà, actif et passif, tout simplement au niveau de l'écoute de la radio. Je vais vous recommander d'écouter non seulement la radio avec TuneIn.com. Donc TuneIn.com, c'est notamment une application pour smartphone qui est disponible sur, euh, sur Android, sur iPhone, sur votre iPad, sur votre tablette Android, sur je ne sais quoi, sur Samsung, sur tout ce que vous voulez. Et c'est également disponible sur votre ordinateur. Et euh, c'est nouveau, c'est enfin, nouveau, Ça fait quelques années maintenant, mais c'est nouveau également sur votre euh, accessoire euh, de type. Euh, Amazon Echo, donc qui va vous permettre tout simplement d'écouter également des radios en anglais de manière passive. Vous demandez à votre assistant machin Echo tout simplement d'écouter une radio et il se fera plaisir d'activer une radio. Donc voilà, écoutez la radio avec tuning.com. Vous pouvez également écouter des podcasts sur cette euh, plateforme, donc c'est toujours intéressant. Je vais vous recommander également d'écouter des audiobooks, donc des livres audio euh, en anglais bien évidemment avec deux sites internet. Le premier site, c'est Scribe. Alors, Scribe, l'avantage, c'est que c'est une plateforme, tout simplement, où vous avez un abonnement mensuel. Vous pouvez euh, donc écouter des euh, livres euh, audio en illimité pour un abonnement mensuel de 9,99 euh, Petite astuce, et surtout petit bon plan. Euh, restez à la fin et demandez-moi, et je vous donnerai un lien pour avoir trois mois euh, gratuits d'accès à Scribe. C'est toujours intéressant. Euh, également, vous pouvez écouter, la, euh, pardon, écouter des livres audio avec Audible. donc Audible, ça appartient à Amazon. Euh, là aussi, vous avez la possibilité d'avoir un mois gratuit. C'est quand même mieux trois mois chez Scribe, mais c'est toujours bien un mois. La différence entre Audible et Scribe, c'est qu'il y a certains livres qui ne sont pas disponibles sur Scribe parce que c'est du streaming. Euh, bah, tout comme il y a certains films qui ne sont pas disponibles sur Netflix, mais qui sont disponibles que en VOD. Bah, là, c'est pareil, il y a des livres qui sont disponibles que sur Audible. La différence, c'est que c'est un abonnement mensuel. De 10 dollars aussi ou de 10 euros. Mais par contre, vous êtes propriétaire du livre. Ça veut dire que le jour où vous arrêtez votre abonnement, eh bien, vous pouvez toujours continuer à écouter ces livres audio-là. Donc, ça, c'était pour l'écoute. C'est extrêmement important d'écouter de... du contenu en anglais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vais vous recommander également de regarder du contenu en anglais tous les jours. Pour cela, il y a trois ressources que je vous recommande. La première ressource, c'est YouTube Trends. Donc, YouTube Trends, c'est tout simplement une page de YouTube qui vous permet de voir. Quelles sont les vidéos qui fonctionnent le mieux dans un pays donné, donc les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni. Et euh, bah, tout simplement, ça vous permet de vous immerger dans la langue et dans la culture du pays sur YouTube. Je vous recommande également, bien sûr, de regarder des films et des séries télé en anglais euh, sur deux plateformes, Netflix et Prime Video. Euh, pourquoi euh, ces deux là euh, bah, Tout simplement parce que c'est celle où il y a le plus de contenu en anglais de disponible. Forcément, si vous êtes sur Salto, la nouvelle plateforme française, il y aura moins de contenu en anglais. Logique. Euh, la différence aussi entre Netflix et Prime Video, ça se joue aussi sur le tarif. C'est-à-dire que Prime Video, c'est dans votre abonnement Amazon Prime, et que si vous êtes membre Amazon Prime, vous n'avez rien à payer en plus. Sinon, c'est 49 euros par. Ans. Et si vous êtes étudiant, là carrément ça descend à 24 euros par an, c'est-à-dire l'équivalent de euh, 2 euros par mois. Donc, Prime Video, c'est très intéressant pour ça. Voilà. Également, je vais vous recommander enfin, après avoir écouté et regardé du contenu en anglais, je vais vous recommander de lire les news en anglais. Euh, pour cela, il y a trois sites que je vous recommande premièrement, le site de la BBC, euh, le site du Guardian et le site du Telegraph. Donc, ces trois ressources-là, je vous les recommande vivement. Euh, il y a du contenu en anglais qui est mis à jour, bien sûr, tous les jours avec les actualités. Euh, ça vous permet vraiment de vous immerger encore une fois dans la culture du pays, d'apprendre des nouvelles choses et également bah, d'améliorer votre compréhension de l'anglais l'anglais à l'écrit. Donc voilà. Donc vraiment créer cette immersion au quotidien chez vous et ça va faire déjà une très 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 grosse différence. Écoutez du contenu en anglais, regardez du contenu en anglais et lisez du contenu en anglais. Vous allez voir, ça va énormément vous aider. Le deuxième levier que je vais vous recommander de faire, c'est la pratique quotidienne. Sur la durée, ce qui va avoir un impact énorme, c'est votre pratique quotidienne. Pour cela, ce que je vais vous recommander de faire dès à présent, c'est-à-dire que vous avez normalement une feuille et un crayon avec vous, euh, bah, tout simplement pour prendre des notes, et je vais vous recommander de déterminer dès maintenant... Plusieurs choses. Premièrement, je vais vous recommander de déterminer sur cette feuille combien de temps par jour vous êtes prêt à consacrer à votre TOIC. Est-ce que ça va être tout simplement 30 minutes par jour? Est-ce que ça va être une heure par jour? Est-ce que ça va être une heure et demie par jour? Donc voilà, notez-le vraiment pour tout simplement et eh bien savoir concrètement combien de temps vous souhaitez consacrer à votre TOIC. La deuxième chose que je vais vous recommander de faire tout simplement, c'est de noter... Qu'est-ce que vous allez faire et quand est-ce que vous allez le faire C'est-à-dire, est-ce que vous allez aller parler avec des personnes sur des forums Est-ce que vous allez faire des examens blancs Est-ce que vous allez lire du contenu en anglais Est-ce que vous allez aller parler avec des personnes au téléphone, peut-être Voilà. Est-ce que vous allez faire des exercices Donc, qu'est-ce que vous allez faire concrètement C'est important de le savoir. C'est pour avoir vraiment un plan détaillé. Et enfin, qu'est-ce que vous allez faire et surtout quand est-ce que vous allez faire ça C'est-à-dire, donnez-vous un rendez-vous. Est-ce que je vais faire ça le matin Est-ce que je vais faire ça entre midi et deux Est-ce que je vais faire ça le soir Est-ce que je vais faire ça pendant que je suis dans les transports euh, Si vous êtes comme moi, vous êtes très matinal, vous pouvez faire ça le matin euh, dès que vous vous réveillez. Donc voilà, faites ça en tout cas, déterminez combien de temps par jour, qu'est-ce que vous allez faire, quand est-ce que vous allez le faire. Ça, ça fait vraiment une différence énorme parce que, à la différence de quelqu'un qui se dit je vais travailler mon TOIC, mais on ne sait pas exactement comment, quoi, où, euh, là, c'est. Qu'est-ce que je vais faire concrètement chaque jour, chaque heure, chaque minute C'est noté, c'est cadré. Tout cela en connaissant deux choses extrêmement importantes. Je vous recommande, avant de commencer chaque session de travail, de connaître votre objectif à court terme, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que je souhaite avoir atteint à la fin de cette session Qu'est-ce que je souhaite avoir réalisé Est-ce que je souhaite avoir appris des nouveaux mots de vocabulaire est-ce que je souhaite avoir parlé avec une personne pendant X minutes Est-ce que je souhaite avoir terminé un examen blanc entier, une partie d'examen blanc Sachez-le. Pourquoi Parce que tout simplement, ça vous permettra d'avoir un objectif précis, de vous dire j'ai réussi cette période de travail ou ça n'a pas, pas été une réussite. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer Ayez également à l'esprit votre objectif à long terme. Alors, ça, c'est capital. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que souvent, on se dit ben, mon objectif, c'est de passer le toic. Ok, c'est formidable, sauf que le TOIC, ce n'est pas vraiment un objectif en soi, c'est-à-dire que euh, bah, avoir le TOEIC, c'est bien, mais c'est pourquoi Qu'est-ce que ça va te permettre, à toi qui écoutes cette webconférence ce matin, d'accomplir Est-ce que ça va te permettre d'avoir ton diplôme Est-ce que ça va te permettre d'obtenir cette promotion que tu n'as pas pu avoir pour l'instant Est-ce que ça va te permettre de trouver un job parce que tu es en reconversion Voilà. Et tout le temps à l'esprit, l'objectif réel, l'objectif profond. Pas avoir mon TOIC parce que honnêtement, avoir un TOIC, c'est bien, mais c'est pourquoi est-ce que je souhaite avoir ce TOIC Pourquoi est-ce que je souhaite obtenir ce score-là On va maintenant voir le levier numéro 3. C'est extrêmement important et je vais vous demander de participer. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous apprendre l'anglais comme un enfant Marquez-le dans le chat et je vais regarder immédiatement vos retours. Je désactive le partage d'écran afin de pouvoir voir vos retours. Hop, voilà, désactivation du partage d'écran. Alors, je regarde le chat directement. Donc, marquez dans le chat qu'est-ce que ça veut dire pour vous, apprendre l'anglais comme un enfant. Hop, on regarde directement. Nadine me dit écoutez et répétez. Effectivement, la répétition, c'est important. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Jean-Marc me dit naturellement. Ok, tout à fait, Jean-Marc, effectivement, c'est extrêmement important aussi. Thaïs me dit faire des jeux en anglais. Oui, effectivement, euh, travailler par le jeu, ça peut aider énormément. Jean-Pierre me dit le prendre comme un jeu également. Donc, on a l'aspect ludique qui est effectivement extrêmement mis en avant. Entendre, mais pas forcément comprendre selon l'âge. Ben oui, tout simplement, c'est-à-dire euh, ben, se dire. Euh, J'entends, je ne comprends peut-être pas tout, mais en tout cas, je m'y mets. Euh, to have fun, exactement. On apprend mieux avec les enfants, bah, peut-être quand on est petit, mais alors ça, on va voir justement que c'est une idée reçue. Euh, voilà. Bon, en tout cas, effectivement, vous avez, la plupart d'entre vous, vous avez trouvé euh, la plupart des réponses. Je remets en place le partage d'écran pour qu'on puisse continuer. Euh, hop, la webconférence. Et voilà, partage d'écran et effectivement. Vous avez directement euh, les différentes réponses qui sont disponibles. Donc, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Premièrement, effectivement, vous me l'avez dit, il faut que ça soit fan, on est d'accord. Deuxièmement, les enfants sont curieux, c'est-à-dire qu'ils vont dire ça, comment on le dit, ça, comment on le dit, ça, comment on le dit. Et du coup, tout simplement, ben, ils vont continuer à s'améliorer beaucoup plus vite qu'une personne qui serait beaucoup plus passive. Également, ils sont inventifs, c'est-à-dire que par exemple, ils ne savent pas comment dire un truc en anglais, ben, ils vont quand même essayer de le dire plutôt que de rien dire du tout. Ils sont déterminés, ils sont motivés. Par rapport à la détermination, je dis toujours euh, pour la personne qui me dit, mais moi, je ne suis plus du tout motivé par rapport à l'apprentissage du TOIC, je dis, ben, écoute, c'est simple. Le jour où tu as commencé à marcher, que tu étais un enfant, est-ce que. Dès la première fois où tu es tombé, tu t'es dit, non, ce n'est pas fait pour moi, je vais arrêter de marcher. Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es dit, je vais continuer à essayer jusqu'à ce que je réussisse, que je réussisse, et au final, tu as réussi. Donc, bien sûr, il faut garder cette détermination-là. C'est extrêmement important. Enfin, les enfants choisissent des sujets intéressants, qui les passionnent. C'est exactement ce que je vais vous recommander aussi. C'est-à-dire que je prends toujours l'exemple, s'il y a des comptables dans la salle, pardonnez-moi, je prends toujours l'exemple que si vous êtes... Par exemple, intéressé par la planche à voile, que vous êtes intéressé par le marketing, peut-être parce que vous êtes en études de commerce, que vous êtes intéressé par l'ingénierie. Est-ce que vous allez lire des, ongles, des articles en anglais sur les normes IFRS, euh, les normes internationales de comptabilité Est-ce que vous allez lire des articles sur euh, des, des choses de médecine ou des choses qui ne vous intéressent pas ben Non. Donc vraiment, choisissez des choses qui vous intéressent, ça fera une différence énorme. Euh, souvent, il y a également une idée reçue qui vient, on me dit, mais Stéphane, tu ne comprends pas, les enfants, ils ont un cerveau particulier qui leur permet de mémoriser beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que, du coup, bah, ils peuvent progresser beaucoup plus vite. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Les enfants n'apprennent pas plus vite, mais on les corrige, c'est-à-dire qu'on leur dit là, tu as fait une erreur, là, tu as fait une erreur. Et du coup, euh, tout simplement, c'est pour ça qu'ils progressent plus vite. C'est juste parce que tout simplement, on leur donne beaucoup plus de conseils que peut-être on n'oserait pas faire avec un adulte. Également, les enfants sont plus déterminés, on l'a vu ça tout à l'heure. Et enfin, donc, ils mettent énormément de fun dans leur révision. Ça, c'est extrêmement important. Alors, maintenant, le levier numéro 4, qui est de trouver un ami de révision. Donc, trouver un ami de révision, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire, je vais recommander de trouver quelqu'un pour réviser votre TOIC ensemble. Vous allez me dire, ben, OK, mais pourquoi Ça a trois avantages. Premièrement, ça va vous motiver, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous suivre mutuellement. Vous allez pouvoir dire, alors Paul, alors euh, Marie, alors Alphonse, alors Joseph, où est-ce que tu en es concrètement Qu'est-ce que tu as fait euh, aujourd'hui Et du coup, ben, ça va vous permettre vraiment de progresser beaucoup plus facilement, c'est-à-dire que vous allez vous suivre. Au quotidien. Deuxièmement, euh, ça va vous aider à avancer, c'est-à-dire que vous allez accéder au cerveau collectif, c'est-à-dire que tous les deux, vous allez vous partager des articles, des ressources, des emails, etc. Et ça, ça va vous permettre clairement de progresser. Euh, ça va vous aider à avancer et à progresser plus vite. Et enfin, pourquoi ça va vous permettre de progresser plus vite aussi ben Parce que tout simplement, il y a pas mal de personnes qui ont quand même un esprit de compétition amicale, amicale quand même, mais qui se disent, ben, J'aimerais bien quand même avoir un meilleur score que euh, Paul, Jacques ou Sophie, etc. Et du coup, bah, tout simplement, malgré le fait qu'on euh, est en compétition amicale, on se dit ah, pourquoi pas avoir un meilleur score s'il y a 700, peut-être que je pourrais avoir 750, s'il a 750, peut-être que je pourrais avoir 800. Donc voilà, gardez vraiment euh, ça également. Donc, trouver quelqu'un, ça peut vous aider énormément. On va aborder la deuxième partie de cette autre conférence avec les 7 erreurs à éviter pour. Votre TOIC, Mais avant toute chose, je vais vous demander tout simplement de euh, partager dans le chat, de bah, tout simplement quelle est votre situation actuelle. C'est-à-dire est-ce que vous êtes étudiant, est-ce que vous êtes salarié. Si vous êtes étudiant, en quel domaine Si vous êtes salarié, en quel domaine Marquez-le dans le chat. Ça nous permettra tout simplement de faire plus ample connaissance. Ça me permettra également de personnaliser vraiment tout simplement cette webconférence pour qu'elle soit au plus près de vos attentes. Voilà. J'arrête le partage d'écran. Hop et je regarde directement vos retours. Donc, on a déjà le retour de Baptiste qui me marque étudiant en école d'ingénieur. OK. Euh, on a également, ça va vite. Nadine qui est étudiant, pardon, qui est en reconversion dans le web, ok. Reconversion dans le web, excellent. Est-ce que tu peux en dire plus? Est-ce que c'est dans le marketing? Est-ce que c'est dans le référencement? Je ne sais pas. Euh, Marc-le, c'est toujours intéressant. Euh, Jean-Pierre Cloutz, étudiant en école de commerce, spécialité finance. Okay. Euh, Jean-Marc, salarié commerce international. Donc effectivement, l'anglais, ça peut aider. Euh, Michel euh, Michel télétravail dans l'informatique ok. Charline étudiante en école d'ingénieur en biologie industrielle. Wow ok. Euh, Nicolas étudiant en école pilote de ligne ok pour euh, une compagnie aérienne précisément ou c'est des étudiants à l'extérieur. Je ne sais pas la différence. Je sais qu'il y en a qui travaillent pour Air France directement. Euh, qui ont, je crois que Air France ouais, a créé une école pour ça. Euh, Stewart dans une compagnie aérienne me dit Pascal. Ok. Euh, Aboubakar étudiant en master manager de direction opérationnelle QSE. Je ne sais pas ce que c'est QSE. Je crois que c'est un truc en rapport avec la qualité, mais je ne suis pas sûr. Titouan lycéen. Ok. Bah, c'est jamais trop tôt pour préparer l'autoik. Héloïse, étudiant en sciences po, ok. Euh, Manel, doctorante en recherche clinique, ok. Et Nadine Roux, donc qui précise euh, tout simplement le web design et le web, web design et webmaster, ok, tout simplement, ok, donc super. Et enfin, donc Aboubacar me dit QSE, c'est qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement, ok. Donc effectivement, c'était en rapport avec la qualité. Donc merci à vous d'avoir partagé tout simplement vos retours par rapport à tout simplement qui regarde cette webconférence ce matin. On peut constater qu'il y a euh, une proportion assez, euh, assez équivalente entre des salariés, des étudiants et euh, des personnes en reconversion professionnelle. Euh, on a également des personnes en doctorat. Enfin, il y a énormément de profils différents. Donc, ça me fait extrêmement plaisir ce matin de partager ça avec vous euh, dès à présent. On va tout de suite aborder maintenant la deuxième partie de la webconférence. Je vais d'ailleurs corriger une petite faute que j'ai fait à l'oral euh, et qui me revient régulièrement. On ne dit pas 7 erreurs, mais cette erreurs à éviter pour votre TOIC parce qu'il n'y a pas d'accord en S avec le 7 vu qu'il n'y a pas de S. Donc 7 erreurs à éviter pour votre TOIC et on commence tout de suite hop, en plein écran avec l'erreur numéro 1, ne pas vous entraîner car vous avez un bon niveau d'anglais. Il y a beaucoup de personnes qui se disent le TOIC, je peux y aller les mains dans les poches parce que de toute façon, j'ai eu 15, j'ai eu 16, j'ai eu 17 au baccalauréat, euh, j'ai un bon niveau d'anglais, je peux discuter avec des gens, donc du coup, pas la peine de préparer mon TOIC plus que ça, c'est bon. Malheureusement, c'est faux. Pourquoi Tout simplement parce que même si vous avez un excellent niveau d'anglais, il est obligatoire de vous préparer pour obtenir le score maximum. Pourquoi Premièrement, parce que ça va vous permettre de prendre connaissance de la forme. C'est-à-dire que le TOIC, c'est un examen extrêmement particulier. Il y a beaucoup euh, de choses qui sont très, très euh, différentes que ce dont on connaît. D'habitude, il y a 200 questions, il y a deux, euh, deux segments, il y a un segment de compréhension orale, il y a un segment de compréhension écrite, euh, il y a des textes, il y a des images, il y a des audios à mettre en parallèle avec des graphiques en même temps. Enfin voilà, tout ça, c'est important de prendre connaissance de la forme. Pourquoi Mais Parce que tout simplement, si vous ne prenez pas connaissance de la forme, vous ne pourrez pas avoir le score maximum le jour J, parce que du coup, vous ne serez pas prêt à 100%. Deuxièmement, également, ça va permettre de vérifier que vous connaissez le vocabulaire spécifique du TOIC. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que tout simplement, il y a des gens qui me disent, bon, en anglais scolaire, je suis plutôt pas mal, euh, je parle avec mes amis en anglais, il n'y a pas de souci et tout et tout. Je dis, ok, sauf que le souci, c'est que l'examen du TOIC, c'est un, un vocabulaire très, très particulier. C'est-à-dire qu'on a tout simplement du vocabulaire du marketing, du vocabulaire de la finance, du vocabulaire de la météo parfois, du vocabulaire de la vie en entreprise, du vocabulaire euh, de la logistique. Voilà, il y a énormément de vocabulaire qu'il faut connaître parce que malheureusement, ce n'est pas un vocabulaire qu'on a peut-être l'habitude d'utiliser dans la vie de tous les jours. Enfin, ça va vous permettre également de réduire considérablement votre stress. Pourquoi Mais Parce que tout simplement à la différence d'une personne qui arriverait, comme on dirait, les mains dans les poches, qui se dirait, bon, ben c'est bon, je parle anglais, il n'y a pas de problème, je peux y aller, euh, et qui serait du coup stressée parce qu'elle se dirait, mais comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, etc., euh, est-ce que je vais bien gérer mon temps, ta, ta, ta. Là, non, là, vous arrivez le jour du TOIC, vous êtes prêt, vous avez fait des examens blancs, vous savez comment ça va se passer, vous savez exactement comment vous vous organisez, vous connaissez les astuces précises à appliquer pour chacune des différentes parties. Et du coup, vous êtes tranquille, vous êtes beaucoup plus serein. Vous n'êtes peut-être pas, pas zéro stress, parce qu'il y a toujours un peu de stress, bien sûr, dans un examen. Mais en tout cas, ça va réduire considérablement votre stress. L'erreur numéro 2, c'est ne pas gérer son temps convenablement. Alors ça, réellement... C'est un des problèmes qui revient le plus souvent dans les emails que je reçois, la gestion du temps. Et le problème, c'est que chaque question à laquelle vous ne répondez pas vous coûte des points. Combien de points ça vous coûte exactement, je vous le dis tout de suite après. Mais voilà, c'est extrêmement important de savoir gérer son temps convenablement. Euh, vous allez voir en plus qu'avec une bonne préparation, c'est simple d'anticiper. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, savoir gérer son temps convenablement Ça veut dire, premièrement, Faire des examens blancs en conditions réelles. Il y a beaucoup de personnes qui, le jour J, justement, terminent l'examen avec des questions sans réponse et qui se demandent pourquoi. Et souvent, c'est parce que, ben, tout simplement, tous les entraînements qu'elles ont faits, elles les ont faits en faisant des parties d'examen du TOIC, euh, en faisant des pauses, en se disant euh, Ok, je vais te faire telle partie aujourd'hui, telle partie demain. Alors, ça, c'est bien de le faire de temps en temps, mais il faut quand même faire plusieurs tests blancs en conditions réelles. Pourquoi Parce que bah, tout simplement, votre concentration ne sera pas la même, votre capacité de travail ne sera pas la même euh, si vous êtes là tout simplement à faire des pauses régulièrement et si vous êtes 100% aligné tout simplement à faire un examen de A à Z en conditions réelles. Puis surtout, ça vous permettra de savoir si vraiment vous êtes capable de tenir votre engagement par rapport à la durée. En dernier recours, il y a une autre astuce à appliquer également par rapport à la gestion du temps, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Euh, donc, c'est vraiment important de hein, passer des examens blancs en conditions réelles chronométrez vous pour être légèrement en avance le jour de l'examen et comme ça, tout simplement, vous pourrez obtenir un score exceptionnel. L'erreur numéro 3, c'est ne pas être à votre niveau de concentration maximum le jour de l'examen. Alors là, je vais vous demander de participer tout simplement. Donc, je remets la slide d'avant pour pas que vous trichiez. Marquez dans le chat, pour... est-ce que vous pensez, d'après vous, que c'est important tout simplement de... Euh d'être concentré. Je pense que je peux garder le chat tout en ayant ça à l'écran. Oui, donc c'est bon. Euh, donc, est-ce que pour vous, c'est important d'être concentré pour un examen tel que le TOIC Ou au contraire, ce n'est pas grave. Marquez-le dans le chat, ça nous permettra vraiment de voir votre retour par rapport à ça. Est-ce que la concentration est importante pour un examen tel que le TOIC Hop, alors marquez-le dans le chat. Alors, Jean-Pierre me marque oui pour l'écoute. Alors, oui pour l'écoute et peut-être pour autre chose aussi. Nadine me marque bien sûr. Pascal, oui. Jean-Marc, c'est indispensable. Charline, extrêmement. Donc, effectivement, la concentration est super importante, mais dure à garder jusqu'à la 200e question. On parlera tout à l'heure de comment garder cette concentration à 100 Titouan, bien sûr, tout à fait. On est d'accord. Euh, ok, ok, bien sûr. Bon, ben, on est d'accord. Donc, effectivement, la concentration, c'est important. Vous allez voir pourquoi et surtout comment faire pour vous améliorer euh, instantanément avec votre, euh, tout simplement, concentration. Alors, pourquoi c'est important L'OTOIX, c'est un examen extrêmement intense. Ça va vous demander d'être concentré à 100% pendant 120 minutes. Donc, imaginez. Une minute d'inattention, j'ai calculé que c'est 10 points de perdu, tout simplement. Euh, si vous n'êtes pas concentré, vous allez perdre des points dans la partie la plus facile de l'examen. Je vous expliquerai laquelle tout à l'heure. Mais vraiment, c'est important. Alors, comment faire pour être à 100% le jour de l'examen Le premier conseil que je vais vous donner, vous allez dire, mais Stéphane, j'ai déjà entendu ça, il n'y a pas de souci. <coughs> Sauf que la différence, c'est entendre, c'est bien, appliquer, c'est beaucoup mieux. Je vais vous recommander de dormir correctement la veille de l'examen et les jours précédents. Vous allez dire, mais ok, pourquoi Qu'est-ce que ça change Déjà, on va parler tout simplement de mémorisation. Ça a été prouvé tout simplement que quand on dort mieux, quand on a plus d'heures de sommeil, on mémorise beaucoup plus facilement une nouvelle langue et du vocabulaire toïque. La deuxième chose, c'est que tout simplement. La, euh, le manque de sommeil, ça a un impact manifeste sur votre concentration. C'est-à-dire que concrètement, tout simplement, ça a été prouvé que qu'avoir euh, un manque de sommeil, c'est l'équivalent au niveau de votre concentration à un niveau d'alcoolémie légal. Je me rappelle encore, lors d'un voyage en Inde où il y avait justement un gros souci par rapport aux gens qui conduisaient tout en étant extrêmement fatigués et qui manquaient de sommeil, il y avait des affiches qui n'étaient pas plus claires que ça. L'affiche, elle disait. Conduire avec un manque de sommeil, c'est l'équivalent de conduire bourré. Voilà, c'était le terme bourré, donc du coup, je vous le dis aussi familièrement que ce qui était écrit. Donc, vraiment, c'est extrêmement important de dormir correctement, euh, au moins dans les jours qui précèdent l'examen, parce que tout simplement, ça a un niveau euh, d'impact majeur sur votre concentration, sur vos capacités cognitives. Ça veut dire clairement que si vous ne dormez pas assez, ben, tout simplement, votre mémoire sera moins bonne. Vous aurez moins de capacité à répondre rapidement et vous aurez moins de capacité à vous concentrer. Donc vraiment, faites-le, ça va faire une très 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 grosse différence. Également, évitez les sucres raffinés avant l'examen. Alors, ça, c'est également un conseil que je donne souvent. On me dit mais pourquoi, qu'est-ce que tu racontes C'est quoi exactement des sucres raffinés Concrètement, ça veut dire que je vais vous recommander de ne pas manger euh, de produits extrêmement sucrés dès le petit déjeuner, c'est-à-dire avec des sucres blancs, euh, bah, des céréales du petit déjeuner, euh, des barres chocolatées, ce genre de choses. Pourquoi Parce que ça a été prouvé en fait que ce genre d'aliments, ça crée ce qu'on appelle un pic de glycémie. C'est-à-dire que concrètement, au moment où vous les consommez, vous avez de l'énergie, il n'y a pas de souci. Sauf que le souci, c'est que ça va faire une courbe. Qui va descendre comme ça, quasiment euh, instantanément, à un moment donné de votre matinée. La plupart du temps, c'est ce que les gens appellent le coup de barre de 11 heures. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, votre cerveau, il perd toute concentration et il est concentré sur une chose où est-ce que je vais retrouver du sucre Donne-moi du sucre. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça, ça arrive pendant l'examen du TOEIC. Donc, ce que je vous conseille à faire à la place, tout simplement, c'est consommer euh, bah, tout simplement des choses qui sont beaucoup plus euh, meilleures pour votre santé. J'allais dire healthy, mais healthy c'est en anglais, donc qui sont meilleures pour votre santé. En, euh, tout simplement bah, le matin. Qu'est-ce que ça peut être concrètement Ça peut être des fruits. Ça peut être des légumes, si vous n'avez pas de problème avec les légumes dès le matin. Euh, ça peut être tout simplement de manger euh, bah, des œufs, pourquoi pas. Voilà, mais en tout cas, euh, évitez ce genre de sucre raffiné parce que clairement, vous allez avoir ce que les Anglais appellent le sugar crush, c'est-à-dire que concrètement, bah, sur le moment, vous allez avoir de l'énergie. Malheureusement, ça ne va pas durer. Je vous recommande également d'éviter l'alcool dans les 23 heures qui précèdent l'examen. Alors, pourquoi dans les 24 heures bah, Tout simplement parce que ça, encore une fois, ça a été prouvé que même si, bien sûr, vous n'êtes plus en état d'ébriété au moment de l'examen, le fait d'avoir consommé de l'alcool dans les 24 heures qui précèdent, ça fait en sorte que vous gardiez quand même un certain manque de concentration ou du moins vous ne serez pas à votre niveau maximum. Peut-être que vous perdrez 10 points, 15 points, 20 points, mais peut-être que c'est les points qui vous manquaient par rapport à votre examen de théorie. Donc voilà, évitez cet alcool-là dans les 24 heures qui précèdent l'examen. Je vous conseille plutôt. Tôt. Enfin, je vous conseille, je vous recommande euh, de garder le champagne pour le jour où vous recevrez votre résultat de TOIC, sachant que bien sûr, il faut consommer de l'alcool avec modération, c'est évident. Euh, si vous pouvez enfin choisir une session le plus tôt possible, entre 9h et 11h, par exemple, donc le matin, pourquoi? Ben, premièrement, parce que c'est prouvé qu'on est plus concentré le matin, on a un meilleur état de concentration à ce moment-là. Et ensuite, tout simplement, l'autre avantage, ben, c'est tout simplement que vous allez moins avoir à vous, euh, tout simplement, stresser. C'est-à-dire que euh, là, vous allez dire, bah, OK, je vais à l'examen, je, com je, je commence tout de suite, et du coup, je n'ai pas toute la matinée euh, pour me dire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça, ça va faire, non, 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 non. Là, directement, vous attaquez, et du coup, ça fait une différence énorme. Donc voilà. Appliquez ces conseils-là pour être à votre niveau de concentration maximum parce que clairement, comme on l'a dit, une minute d'inattention, c'est en moyenne 10 points perdus. Donc, il faut vraiment que vous soyez à votre niveau de concentration maximum le jour J. Je récapitule les conseils. Dormez bien, évitez euh, tout simplement les sucres raffinés avant l'examen, évitez l'alcool dans les 24 heures qui précèdent l'examen et si vous pouvez, choisissez une session le plus tôt possible, entre 9h et 11h par exemple. On va maintenant aborder l'érand numéro 4, qui est tout simplement la section la plus facile de l'examen du TOEIC. Qu'est-ce que c'est ben, C'est tout simplement la section Listening. Pourquoi Parce que la plupart du temps, en fait, les étudiants, ils se préparent sur la section 2, sur la section Reading, et ils négligent la section 1. Ils se disent, je vais vraiment me concentrer sur la partie écrite, parce que c'est là, au final... Où je vais tout simplement, euh, j'ai le plus de difficultés, donc du coup, bah, tout simplement, je vais vraiment me concentrer que sur cette partie-là. Sauf que c'est une erreur parce que tout simplement, la section listening, c'est là où vous pouvez avoir le plus de points facilement. Pourquoi Parce que tout simplement, ça a été calculé que vous pouvez gagner environ euh, une marge d'erreur de 7% tout en conservant le score maximum de 495 points. Donc c'est toujours intéressant de se dire qu'on peut faire quelques erreurs et garder le score maximum. Ensuite, elle dure 30 minutes de moins que la partie reading pour exactement le même nombre de points. Ça veut dire que par rapport au temps que vous allez consacrer, vous allez pouvoir obtenir le même nombre de points. Donc, ben, clairement, par rapport au temps investi, c'est toujours plus intéressant. Et enfin, dans la partie de questions-réponses, vous avez 25 questions sur lesquelles vous avez une chance sur trois de trouver la bonne réponse, vu que c'est des questions avec un choix multiple, mais avec trois. Réponse possible et pas quatre. Et comme on dit, bah, tout simplement, statistiquement, c'est toujours plus intéressant. Donc, négligez vraiment pas la partie des semis. vous pouvez gagner un nombre considérable de points. L'erreur numéro 5, c'est de bloquer sur des mots. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de bloquer sur des mots Marquez-le dans le chat dès maintenant. Est-ce que ça vous est arrivé d'être en plein milieu de l'examen et de bloquer sur un mot l'examen du toit? Donc, on va voir tout de suite vos retours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de bloquer sur des mots Hop, alors, Baptiste, oui, chercher la définition du mot sans le connaître, ok, ok, donc effectivement, donc tu as bloqué sur des mots pendant l'examen du toïc. Euh, Baptiste, Baptiste, ok, je vois s'il y a d'autres retours, sinon on continue directement. Et euh, bon, bah, le chat est plutôt calme, donc du coup, euh, bah, vous bloquez peut-être sur des mots, mais en tout cas, euh, bah, ce n'est pas le moment d'en parler, ou du moins voilà. Donc, effectivement, euh, ça arrive fréquemment à de nombreuses personnes de bloquer sur des mots. Pourquoi bah, Parce que tout simplement, euh, on arrive sur un mot et on se dit, mais qu'est-ce que c'est qu est -ce que est Où est-ce que j'en suis Comment ça Tadada. Et on réfléchit, on réfléchit, on dit qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Et le problème, c'est que du coup, on perd du temps. Il y a beaucoup de personnes qui bloquent aussi sur des mots à cause de la grammaire. Pourtant, vous allez voir que c'est facile d'augmenter votre niveau de grammaire. Ça, je vous expliquerai comment dans un instant. Euh, bloquer sur des mots, ça occasionne également des mauvaises réponses. C'est-à-dire qu'au final, on ne va pas pouvoir répondre correctement à la question. Et je vais vous recommander quelques trucs, quelques astuces pour vraiment tout simplement éviter de bloquer sur des mots. La première chose, je vous recommande de vous concentrer sur ce que vous savez déjà. C'est-à-dire concrètement que vous regardez la phrase. Et vous dites, OK, quel mot je connais parfaitement dans cette phrase Qu'est-ce que je peux comprendre de cette phrase sans le mot principal Ça, c'est une première chose. Ensuite, je vais vous recommander d'analyser les mots que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que s'il y a un mot ou plusieurs mots que vous ne connaissez pas, bah, tout simplement, dites-vous, à quoi ça me fait penser Qu'est-ce que c'est et ça va peut-être vous aider. Euh, et enfin, bien sûr, bah, tout simplement, euh, passer rapidement à la question suivante. Pourquoi bah, Parce que tout simplement, si vous bloquez sur des mots, comme on l'a dit tout à l'heure, une minute d'inattention, une minute du moins de passage d'inattention, c'est 10 points de perdu. Donc, imaginez tout simplement, bah, vous êtes dans votre examen d'Otoïc. Vous perdez du temps comme ça, tout simplement, et du coup, bah, vous perdez des points. Donc, passez très, très rapidement à la question suivante. Euh, bien sûr, une, un truc bah, clair pour éviter de bloquer sur des mots, c'est bien sûr, évidemment, de développer considérablement votre vocabulaire par rapport au TOEIC, c'est-à-dire tout simplement de savoir précisément euh, le genre de vocabulaire qu'on va vous demander le jour J pour vraiment être prêt à 100% par rapport à ça. Donc, voilà, augmentez votre vocabulaire, analysez et regardez ce que vous savez déjà. On va voir maintenant l'erreur numéro 6 qui est d'être découragé par la grammaire. Alors ça, il y a de nombreuses personnes qui sont découragées par la grammaire et qui se disent « je ne pourrai jamais y arriver en anglais parce que tout simplement, la grammaire, ça me semble insurmontable ». Sauf que j'ai un conseil pour vous et surtout, j'ai tout... créé en fait tout un accompagnement sur le sujet également. Euh, ben, tout simplement, je suis partisan d'une grammaire extrêmement différente. Vous allez voir laquelle. C'est-à-dire que c'est une grammaire dont on ne va pas vraiment avoir besoin, c'est-à-dire pour la grammaire, ce que je vous recommande de faire tout simplement, c'est de vous habituer à l'anglais et vous allez voir que la grammaire anglaise ça va devenir naturel. Ça veut dire concrètement que vous allez lire du contenu en anglais tous les jours, vous allez écouter du contenu en anglais tous les jours, vous allez écrire en anglais tous les jours et au fur et à mesure, ça va rentrer comme par magie euh, tout simplement, pardon, dans votre cerveau. Donc voilà. Donc c'est vraiment important de faire ça tout simplement. Parce que euh, bah, ça va faire une réelle différence. C'est-à-dire que euh, si vous euh, vous immergez dans la langue comme ça, le jour J, vous pourrez dire euh, bah, Ça, je peux répondre parce que euh, c'est telle réponse que je choisis. Non pas parce qu'il y a telle règle de grammaire qui s'applique, mais uniquement parce que c'est ce qui me paraît le plus logique. Surtout qu'il ne faut pas oublier que le TOEIC, c'est un examen de compréhension et pas un examen d'expression. Donc, ça fait une différence énorme. Parce que concrètement, ben, vous, euh, vous avez une différence parce que quand on est dans un examen d'expression, peut-être que la grammaire aura un impact plus important. Mais là, on est dans un examen de compréhension dans le cadre du TOEIC listening and reading. Euh, également avec une pratique régulière, vous allez voir que la grammaire, ça va devenir vraiment intuitif, naturel. C'est mon approche, c'est-à-dire que en fait, tout simplement, vous allez euh, parler avec une personne, vous allez euh, faire ça plein de fois, et le jour J, quand on va vous demander de répondre à une question, vous n'allez pas dire c'est telle euh, réponse, mais juste c'est euh, telle réponse parce que c'est telle règle de grammaire qui s'applique. Non, vous allez dire c'est telle réponse parce que c'est ce qui sonne le plus logique. Si vous regardez et que vous demandez à un anglais de répondre à une question du TOEIC et que vous lui dites alors quelle est la bonne réponse dans la grande, grande majorité des cas, à part si c'est un expert en grammaire, il va vous dire, ben, c'était la réponse. Et si vous lui dites, et pourquoi Il va dire, ben, c'était la réponse parce que c'est juste. Il n'y a pas de raison particulière. C'est parce que c'est juste. C'est parce que c'est à ses oreilles ce qui sonne le plus juste. Voilà. Donc vraiment, ne soyez pas découragé par la grammaire. Abordez-la avec intuition et vous allez voir, ça va faire une différence énorme. On va voir maintenant l'erreur numéro 7 qui est de ne pas répondre à toutes les questions. Euh, ben ça, c'est extrêmement important parce qu'avec les quiz classiques, en fait, on a pris l'habitude de ne pas répondre si on ne connaît pas la réponse. Pourquoi Mais Parce que tout simplement, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, dans les euh, universités, quand on vous pose une question et qu'on vous dit euh, quelle est la bonne réponse, le système, c'est qu'il y a des points négatifs. C'est-à-dire qu'on vous dit... Si vous répondez juste, vous gagnez un point. Si vous répondez faux, vous perdez un point. Et si vous répondez rien, vous ne perdez pas de points, mais vous n'en gagnez pas. Donc du coup, euh, c'est pour ça qu'on est euh, stressé par rapport à ça, par rapport aux points négatifs. C'est pour éviter que vous répondiez au hasard. Sauf que le souci, c'est que souci, je, pardon, autoïque justement, pardon, euh, il n'y a pas de points négatifs. C'est-à-dire que dans la section, on lui dit, une bonne réponse, c'est environ 5 points. Donc imaginez, euh, tout simplement, il ne vous reste qu'une minute et 40 questions. Est-ce que vous préférez perdre l'intégralité des 200 points ou cocher les 40 dernières questions et avoir statistiquement une chance sur quatre d'avoir la bonne réponse, en théorie 50 points Si vous ne connaissez pas une réponse, s'il vous reste quelques minutes, cochez, 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 vous n'avez rien à perdre, vous avez tout. As gagné Je vais maintenant vous présenter l'accompagnement que je vous propose par rapport à votre TOEIC en 2022. Cet accompagnement s'appelle Booster votre score TOEIC en 30 jours. C'est la nouvelle façon pour mémoriser du vocabulaire et booster votre score TOEIC rapidement. Qu'est-ce que c'est concrètement cet accompagnement que je vous propose et qui a aidé donc des milliers de personnes à améliorer leur TOEIC C'est un accompagnement pendant 30 jours où je vous accompagne pour booster votre score autoïque et pour augmenter considérablement votre vocabulaire. Je vous donne des méthodes concrètes ainsi que des outils pour que vous atteigniez le score de vos rêves et vous allez voir que parler anglais et obtenir votre TOEIC ça va enfin devenir facile. Quels sont les objectifs du programme booster votre score TOEIC en 30 jours Premièrement, augmentez votre vocabulaire toïque de plus de 1000 mots en un mois grâce à des outils innovants. On a vu tout à l'heure que c'est extrêmement important d'acquérir du vocabulaire spécifique au toïque. Deuxièmement, développer considérablement votre compréhension de l'anglais oral et écrit. Vous donner des astuces concrètes pour être concentré à 200% et multiplier votre efficacité de révision par 3. Et enfin, augmentez votre motivation pour que réviser devienne enfin plaisant. Concrètement, comment fonctionne booster votre score au TOEIC en 30 jours bah, Tout simplement, il y a cinq modules de base. Le premier module, c'est un module que j'ai appelé votre objectif, votre motivation. Si vous devez passer le TOEIC, c'est probable que vous ne soyez pas motivé à 100%, vous ne trouviez pas le temps de réviser pour cet examen. Et pourtant, ce premier élément simplement euh, c'est vraiment la base de votre réussite à l'examen du TOIC on est d'accord hein, le TOIC c'est la motivation pardon c'est vraiment la base et le TOIC on va pas se mentir ce n'est pas à la base un examen extrêmement motivant alors ensemble on va travailler pour enfin trouver la motivation qui va vous permettre de cartonner au TOIC concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que je vais vous coacher pour développer votre motivation à 300% pour votre TOIC même si vous pensez que c'est impossible, même si vous pensez qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible que quelqu'un vous motive par rapport à votre TOIC, eh bien, je vais vous prouver le contraire, vous allez obtenir enfin ce supplément de motivation qui va faire que vous atteindrez le score que vous souhaitez obtenir. Dans le module 2, on va voir comment créer un environnement de travail idéal. L'environnement, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez un environnement qui vous force à échouer ou un environnement qui vous porte et qui fait en sorte que vos révisions soient faciles et plaisantes. On est d'accord, c'est plutôt la deuxième proposition qui nous intéresse. Et c'est justement ce que vous allez voir dans ce deuxième module. Vous allez voir la technique MER qui va vous permettre d'augmenter énormément votre efficacité. C'est une technique qui va vous permettre de réviser en 90 minutes ce qui vous aurait pris une journée entière. Je vais également vous dire quel est l'ennemi numéro 1 de votre concentration et surtout comment l'éliminer extrêmement facilement. Vous allez voir qu'il suffit de savoir compter pour y arriver. Et vous allez voir comment créer l'environnement de travail parfait sur votre ordinateur ou votre smartphone. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'en fait, je vais vous montrer comment utiliser ces deux outils-là pour que ça soit vraiment des aides de tous les jours par rapport à votre apprentissage de l'anglais et pour que ça vous porte. Et au contraire, pour que ces outils-là ne soient pas ce qui cause votre perte par rapport à votre... Toic. En résumé, à la fin de ce deuxième module, vous n'aurez plus aucune difficulté de concentration et surtout, vos sessions de révision seront donc trois fois plus rapides. Dans le module 3, on va voir ensemble comment booster votre vocabulaire TOIC, c'est-à-dire que je vais vous donner toutes les clés pour mémoriser votre vocabulaire TOIC, mais de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire de la manière la plus rapide et surtout de la manière la plus durable, avec une approche qui a été scientifiquement... Prouver. Vous allez voir également comment adapter votre mémorisation selon votre profil personnel avec un test amusant, c'est-à-dire que concrètement, vous allez voir comment vous améliorer par rapport à votre mémorisation pour vous uniquement et pas pour une autre personne parce que chaque personne est unique. Là, vous allez vraiment découvrir les clés pour enfin mémoriser votre vocabulaire par rapport à ce qui fonctionne pour vous. Et vous aurez en main... Le procédé détaillé pour réagir face à un mot inconnu également, c'est-à-dire que ce soit avant le TOIC ou pendant le TOIC, vous allez voir comment réagir réellement face à un mot inconnu. En résumé, vous allez booster votre score et vos amis vont être impressionnés par votre mémoire et votre score TOIC va donc s'améliorer extrêmement rapidement. Dans le module 4, vous allez voir comment vous entraîner en vous amusant pour atteindre la confiance. Vous allez voir notamment la meilleure façon de pratiquer votre anglais et votre TOIC sans en avoir l'impression. Vous allez également voir comment utiliser les films et les séries avec méthode et productivité. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'on peut regarder des films et des séries et s'en servir pour apprendre l'anglais. Et pour cela, je vais vous donner des outils concrets pour vous servir de ces supports-là pour vraiment vous améliorer en anglais, donc pour allier l'utile à l'agréable. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Dans ce quatrième module-là, en fait, je vous donne vraiment toutes les clés de A à Z. Je vous suis, je vous montre directement sur mon écran comment utiliser ces meilleurs outils-là pour vous entraîner. Donc vraiment, suivez avec attention ce module-là, c'est extrêmement important. Vous allez également voir... La méthode des cartes pour ne plus jamais bugger devant un anglais, c'est-à-dire que concrètement, si vous devez parler un anglais dans votre univers de travail ou dans votre univers, euh, votre université, bah, tout simplement dans votre école de commerce, etc., là, vous allez voir comment ne jamais bugger et comment réagir de la manière la plus efficace pour avoir un discours fluide et professionnel par rapport à ce genre de situation. Donc, en résumé, à la fin de ce quatrième module, vous aurez des moyens amusants et efficaces pour vraiment. Pratiquez votre onglet, j'insiste sur vraiment parce que ça va faire toute la différence. Dans le cinquième module, vous allez avoir en main mes conseils pour que vous obtenir, pour obtenir pardon, le score maximum le jour J. Ça veut dire quoi ça veut dire concrètement qu'actuellement, vous n'avez peut-être pas d'astuces du terrain par rapport à chaque partie de l'examen du TOIC ainsi que les pièges à éviter, ou que vous perdez des points à cause du stress et du manque de concentration. C'est justement ce que je vais vous montrer dans ce cinquième module. Vous allez voir les astuces à appliquer pour gagner des points pour chaque partie et également les pièges à éviter. Comment rester concentré au maximum pendant l'intégralité de l'examen, ne pas perdre de temps et de points. Comment ne pas stresser avant et pendant le TOIC. En résumé, le jour J, vous serez prêt car vous serez en confiance et vous aurez toutes les cartes en main pour réussir. Donc ça, c'est l'accompagnement de base qui s'appelle « Booster votre score autoïque en 30 jours ». C'est avec les cinq modules dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Et par rapport à cet accompagnement-là, j'aimerais vous partager déjà des retours de personnes qui ont suivi cet accompagnement-là. On a le retour d'Elsa qui a dit… Bonjour, le programme m'a donné la motivation nécessaire pour me mettre enfin à l'anglais et préparer sérieusement mon TOEIC, sans doute grâce à votre communication claire, franche, sérieuse et très positive et les anglais sont toujours très positifs, orientés boulot résultat. Je crois que c'est pour cela que je n'aime pas cette langue. J'ai obtenu 865 au TOEIC. Merci et bonne continuation Elsa. On a le retour également de Danny qui a dit grâce à cet apport de motivation, j'ai pu obtenir mon TOEIC et grâce au TOIC, je vais être diplômé de l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de France dans un mois. Donc, ça, c'était le retour de Danny qui a pu obtenir son diplôme d'ingénieur grâce à son TOIC. On a également le retour de Andy. Alors, ça, c'est très intéressant, vous allez voir pourquoi. Je tenais à vous remercier pour votre méthode. Je n'ai pas pu terminer les 30 jours car mon TOIC était dans les 20 jours. J'ai donc suivi les 20 premiers jours de votre méthode. J'étais un peu effrayé parce que mon meilleur TOIC blanc était à 710 avant de passer le vrai car je n'arrivais pas à me concentrer à me mettre en condition d'examen chez moi, mais je l'ai quand même réussi. Je suis passé de 635 derniers scores en date avant le début du programme à 855 en 20 jours. Merci beaucoup. Donc là, Andy, 220 points de progression en 20 jours. Et ce genre de résultat, ce n'est pas un résultat isolé. Il y a énormément de personnes qui suivent mon accompagnement qui obtiennent exactement les mêmes résultats. Pour qui est cet accompagnement que vous soyez étudiant ou salarié, cette méthode, elle fonctionnera pour vous. J'ai fait en sorte que ça soit adapté à tous les profils. Elle est également pour tous les niveaux d'anglais, c'est-à-dire qu'avec l'accompagnement, tout le monde peut progresser, peu importe votre niveau actuel. Et que vous ayez 20, 30, 50 ou 90 jours, vous, avez, vous allez voir que cet accompagnement il donne des résultats explosifs en 30 jours. Et il donne aussi des résultats pour les personnes qui ont moins de temps, comme Andy, on l'a vu tout à l'heure, qui a gagné 220 points en 20 jours, ou pour les personnes qui ont plus de temps et qui veulent progresser encore davantage. Et c'est également adapté à tous les objectifs de score, c'est-à-dire peu importe votre objectif de score, que ce soit 785, 800, 850, 900, 950, 990, dans tous les cas, ça va pouvoir vous aider. Pourquoi est-ce que ça marche concrètement Premièrement, on va repartir ensemble sur des bases solides. Deuxièmement, vous allez apprendre des méthodes innovantes pour progresser rapidement. Vous allez garder votre motivation à 100%. Et quatrièmement, vous allez enfin avoir des informations du terrain à, et à jour. Et enfin, dernièrement, c'est fun et non scolaire. Donc ça, c'était booster votre score au TOIC en 30 jours. C'est les cinq modules fondateurs pour vous apprendre concrètement à mémoriser correctement, créer un environnement de travail, avoir la motivation idéale, éviter les erreurs bêtes à l'examen du TOIC. Avoir des astuces concrètes pour gagner euh, des points et également bien sûr comment euh, pratiquer votre anglais au quotidien. Ça, c'était les fondamentaux de booster votre score au en 30 jours. Mais ce n'est pas tout. J'ai décidé de vous offrir plusieurs bonus pour vous permettre vraiment de vous améliorer par rapport à votre anglais, par rapport à votre TOEIC. Le premier bonus, c'est vocabulaire TOEIC la liste ultime. C'est une liste que j'ai créée qui contient 1476 mots. Et cette liste, elle a été étudiée pour que chaque nouveau mot, il ait l'impact le plus important sur votre score TOEIC. La liste, elle contient des liens interactifs vers la définition et la traduction de chaque mot, et des liens vers des éléments clés pour mémoriser plus vite. Et enfin, un accès direct à la prononciation. Ça, c'est vraiment génial parce que ça va vous permettre tout simplement de progresser de manière extrêmement rapide en écoutant les mots. Avec cette liste, vous allez être prêt pour apprendre les bons mots, les mémoriser très rapidement comprendre instantanément la définition des mots et vous allez pouvoir dire adieu aux listes éparpillées, aux questions sur la prononciation, parce qu'en un clic, vous avez accès à la prononciation, et également à la mémorisation laborieuse, parce que j'ai intégré des techniques de mémorisation dans cette liste. On en parle tout à l'heure. C'est quoi le pourquoi est-ce que j'ai créé cette liste de vocabulaire-là quand j'ai commencé mes recherches pour progresser j'ai réalisé qu'aucune liste n'était complète et permettait des résultats rapides. Et c'est pour cette raison que je crée cette liste. L'élaboration de cette liste elle a coûté beaucoup de temps et d'argent, et je n'ai pas envie que vous réinventiez la roue. Et c'est pour ça que je vous offre cette liste aujourd'hui. Vous allez gagner du temps et de l'argent. Comment ça fonctionne concrètement, techniquement, visuellement eh bien, la liste elle est disponible immédiatement au format PDF. Elle fonctionne donc sur PC, sur Mac, sur smartphone, sur tablette. Vous pouvez l'utiliser où que vous soyez. Et elle est utilisable à votre rythme, c'est-à-dire qu'il vous suffit de sélectionner les mots que vous souhaitez apprendre et de commencer. Et vous mémorisez rapidement et surtout durablement les mots de la, tec... de la liste pardon, grâce aux techniques vues dans le module 3. Et je vais notamment également vous donner accès à un logiciel de mémorisation rapide avec la liste, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui va vous permettre d'apprendre très facilement et très rapidement votre vocabulaire TOIC. Le deuxième bonus, c'est le coaching TOIC 30 jours, c'est-à-dire que concrètement, je vais vous accompagner. Pendant 30 jours, je vais être votre coach. Chaque jour, vous allez recevoir un email de ma part avec des actions concrètes pour augmenter votre score. Vous allez voir que certaines de ces actions vont vous surprendre, mais elles fonctionnent. Et chaque jour, vous allez vous rapprocher un peu plus de votre objectif. Pourquoi est-ce que j'ai créé un coaching Tout simplement parce que souvent, quand on veut préparer l'examen du TOIC, on se dit Ok, bah, je vais acheter un livre d'examen du TOEIC et je vais euh, travailler le TOIC. Okay. Mais on a rapidement un stress et un sentiment d'être dépassé. Pourquoi on se dit Par où est-ce que je commence qu'est-ce que je fais chaque jour. Et c'est vraiment pour cette raison que j'ai créé pour vous ce coaching que je vous l'offre aujourd'hui, ce matin. Tous les jours, vous allez avoir des actions concrètes pour progresser vers votre objectif TOIC. Les avantages de ce coaching, c'est quoi Vous êtes soutenu. Vous savez quoi faire. C'est donc plus facile. Vous avez en main une carte claire avec votre objectif. Je suis disponible par simple retour de mail pour vous écouter. Pendant tout cet accompagnement-là, je suis vraiment là pour vous aider au maximum avec votre TOIC et vous progressez donc beaucoup plus rapidement. Vous pouvez commencer ce coaching par défaut. Euh, dès que vous voulez, vous pouvez le commencer dès demain matin par défaut. Ou plus tard, si vous souhaitez commencer plus tard, il vous suffira de m'envoyer un mail pour me dire quand est-ce que vous souhaitez commencer. Vous avez plus de temps, vous pouvez suivre le coaching plusieurs fois et progresser davantage. Inversement, si vous avez moins de temps, vous allez voir que même en suivant le coaching sur une plus petite période, vous allez progresser également. Vous l'avez vu tout à l'heure avec l'exemple de Andy qui avait qu'une vingtaine de jours et qui a quand même progressé à 220 points. Enfin, ça s'adapte à votre emploi du temps et à votre objectif. Ça, tout simplement, ça veut dire que vous pouvez tout simplement intégrer l'accompagnement que je vais vous proposer dans votre vie de tous les jours, c'est-à-dire que les actions que je vais vous demander d'accomplir, vous allez pouvoir les faire dans votre journée sans aucun problème. Par rapport au coaching, j'aimerais vous partager le retour de Carole qui a dit Ce coaching pendant ces 30 jours, ça m'a vraiment permis d'approfondir ses connaissances, d'aller chercher les points manquants. C'était un soutien moral, un vrai coaching. On a l'impression de se préparer à une épreuve sportive et c'est motivant. Ça permet de se canaliser en allant plus loin dans l'apprentissage. Également par rapport à cet accompagnement-là, euh, je vais vous partager aussi un autre bonus qui est un groupe privé. Donc, ce groupe privé-là, c'est concrètement quoi ben, C'est de la motivation, c'est-à-dire que vous allez avoir des succès, euh, un partage des succès et des membres de l'accompagnement. Vous allez avoir accès à des ressources, c'est-à-dire que je vous partage des nouvelles ressources régulièrement ou des nouvelles innovations pour progresser encore davantage en anglais. Et vous allez pouvoir profiter de ce groupe pour euh, trouver un partenaire également et discuter en anglais et progresser encore plus rapidement. Pourquoi est-ce que je crée un groupe privé Premièrement, ça va créer une émulation, vous allez progresser ensemble. Deuxièmement, ça va vous permettre d'être beaucoup plus motivé parce que vous allez être accompagné par la réussite des autres personnes. Et enfin, bah, tout simplement, c'est extrêmement pratique parce que c'est directement dans votre compte Facebook. Les avantages, vous pouvez discuter avec des personnes comme vous, vous progressez ensemble, vous découvrez régulièrement des nouvelles ressources et vous obtenez des résultats plus rapidement et surtout plus facilement. Vous êtes libre de participer ou non au groupe Facebook, même si je vous recommande, et vous recevez votre accès au groupe privé immédiatement dès que vous êtes inscrit. Et vous avez accès pendant un an à ce groupe privé pour progresser même après le TOIC. Maintenant, le bonus 4, c'est le dernier bonus que j'ai créé, qui n'est peut-être pas d'actualité actuellement, mais en tout cas qui va vous aider. C'est tout simplement parce qu'on revenait souvent vers moi, on me disait, mais Stéphane, pour mon TOIC. À terme, après, j'aimerais bien quand même faire un voyage linguistique, donc du coup, est-ce que tu me conseilles d'aller, etc. Et le problème, c'est que dans la majorité des cas, on parlait de destinations qui étaient hors de prix et qui n'étaient pas forcément adaptées pour l'apprentissage de l'anglais. Et euh, le, le but de vraiment de ce module là, en fait, de ce bonus-là, c'était de vous proposer trois destinations qui sont très sympathiques pour vous améliorer en anglais et pour votre toïque pour deux à trois fois moins cher que l'on. À lui seul, ce bonus, il peut vous faire économiser des milliers d'euros. Dans ce bonus, je vous donne un pays anglophone où repas coûte 3 euros et un mois d'hébergement ne vous coûte que 360 euros. Et surtout, quelle est la ville du Royaume-Uni Vous devez aller si vous voulez payer deux fois moins cher qu'à Londres. C'est quoi l'erreur des séjours linguistiques classiques La plupart du temps, quand on part en séjour linguistique, c'est extrêmement cher. J'ai une amie qui est allée à Miami, qui a passé plusieurs mois là-bas, ça lui a coûté 12 000 euros elle a eu zéro résultat. Il n'y a pas de réelle immersion, c'est-à-dire que concrètement, on part à l'étranger. Mais au final, on va se retrouver avec des Français, on va sortir avec des Français, on va être en cours avec des Français, donc il n'y a pas de vraie immersion. C'est pourquoi vraiment j'ai créé ce bonus-là. Les avantages de booster votre quand en voyageant, donc ce bonus, c'est que vous connaissez les bons plans pour partir moins cher. Vous pouvez donc partir plus longtemps et progresser encore plus. Et vous vivez une expérience unique parce que vous êtes vraiment en immersion à 100 Ça fait toute la différence. Je vous donne donc deux des trois destinations qui coûtent moins de 100 euros aller-retour depuis la France et j'ai fait les recherches pour vous pour que vous n'ayez pas de casse-tête. Et l'objectif, c'était vraiment de trouver des destinations plaisantes qui vont vous aider à progresser et ça sera un vrai plus pour votre anglais et votre CV. En résumé, ce soir vous allez obtenir, pardon, ce matin plutôt, c'est mieux. <laughs> ce matin, vous allez obtenir booster votre score Toic en 30 jours. Vous allez obtenir vocabulaire Toic liste Team. Vous allez obtenir le coaching Toic pendant 30 jours que vous pouvez même appliquer au-delà de 30 jours. Vous allez obtenir l'accès au groupe privé et vous allez obtenir booster votre Toic en voyageant. Le dernier bonus dont j'ai parlé. Alors, je vous demande une question ce matin. Qu'est-ce que ça voudrait pour vous si vous atteigniez le score de vos rêves Qu'est-ce que ça vaudrait pour vous d'enfin prendre du plaisir à comprendre et à surtout parler l'anglais Qu'est-ce que ça vaudrait pour vous d'obtenir le score qui vous sépare du job de vos rêves ou de votre diplôme Souvent on m'a dit Stéphane, tu es absolument dingue de faire ce prix-là. Il faut que tu arrêtes et je continue euh, de faire ce prix aussi accessible. L'investissement pour obtenir, booster votre score autoïque en 30 jours est. Tous les bonus dont j'ai parlé ce matin, il est de seulement un règlement de 127 euros ou deux règlements de 65 euros. Donc, déjà, ça c'est fou parce que le prix n'a rien à voir avec ce qu'on peut vous proposer ailleurs. Et en plus, le truc de malade, c'est que c'est garanti. C'est-à-dire que je vous offre une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Je suis tellement persuadé de la puissance de booster votre score en 30 jours, de ce que cet accompagnement va vous proposer, que je vous offre une garantie satisfait remboursée 30 jours, durant lesquels vous pouvez faire valoir votre droit à remboursement de votre achat sur simple demande à mon adresse email. Voilà, c'est parce que je suis vraiment convaincu de ce que je vous propose et que je sais que depuis que j'ai lancé cette formation-là, depuis que j'ai lancé cet accompagnement, j'ai des milliers de personnes qui ont obtenu le score qu'elles souhaitaient et il y a quasiment personne qui est déçu de la formation à part des personnes qui se sont dit, je vais acheter la formation et juste en l'achetant, même si je ne la suis pas, ça marchera. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Il faut quand même un minimum de travail pour obtenir des résultats. Vous avez accès immédiatement à cette formation. Par rapport à ça, euh, je ne regrette Kevin, il a marqué Je ne regrette pas une formation pactoïque chez Organismes Pro, c'est 850 euros en groupe pour 30 heures. Alors, ce prix pour un mois de coaching, c'est vraiment valable. Merci encore, Stéphane. Concrètement, vous avez deux choix ce matin. Vous pouvez garder toutes les informations que je vous ai données et tenter de tout faire par vous-même, ou vous pouvez me faire confiance et tester pour voir si ça fonctionne pour vous. Et vu que vous êtes là ce matin en direct, je vous avais promis une surprise je ne non pas. C'est euh, la surprise que je vous propose, c'est que vous allez avoir deux bonus en plus pour vous, les personnes qui êtes consacrées à cette webconférence ce matin. La première chose, c'est que je vais vous donner tout simplement deux cadeaux. D'abord, vous allez avoir 150 expressions idiomatiques anglaises à connaître absolument pour avoir un anglais fluide et naturel. Donc, c'est un livre électronique que je vous donne pour vraiment vous améliorer en anglais au quotidien et avoir un anglais qui soit vraiment le plus fluide et le plus euh, parfait possible. Et le deuxième bonus, c'est tout simplement Je trouve un job ou un stage en anglais. Donc, c'est une formation complète que j'ai créée qui vous permet tout simplement de savoir comment trouver un job ou un stage en anglais dans les pays anglophones, c'est-à-dire tout simplement comment faire votre CV, comment faire votre lettre de motivation, euh, quels sont euh, les pays à euh, privilégier. Quel est l'état d'esprit à avoir Voilà, vraiment tout ça, je vous l'offre ce matin. C'est seulement pour les dix premières personnes, bien sûr, qui suivent l'accompagnement booster votre score en 30 jours. Comment obtenir cet accompagnement C'est très simple. Soit vous utilisez directement le lien dans le chat que je vais directement copier-coller dès maintenant, comme ça. Hop, voilà. Accès à la formation. Voilà. Hop. Directement. Avec ce lien là, vous pouvez directement avoir accès à la formation. Hop, voilà. Je vais également le copier là. Hop, voilà. Voilà, voilà. Donc, accès à la formation directement avec l'adresse réussir toïdecom direct Je vais également tout simplement répondre à toutes les questions les plus communes et ensuite je répondrai directement à vos questions individuellement. Premièrement, on me demande des fois est-ce que c'est possible de commencer plus tard et de profiter de l'offre maintenant La réponse c'est que vous pouvez tout à fait profiter de l'offre dès aujourd'hui, profiter de tout ce que je vous offre aujourd'hui pendant cette webconférence et commencer quand vous le souhaitez. Il suffit tout simplement de m'envoyer un email au service client premium que je vous ai réservé. Et euh, tout simplement, je vous ferai démarrer votre formation quand vous le souhaitez. Comment se déroule le coaching Concrètement, c'est que tous les jours, dès demain matin, vous allez recevoir un email de ma part avec des actions concrètes pour augmenter votre score au TOEIC. Qu'est-ce que ça va être concrètement Ça va être apprendre du vocabulaire. Ça peut être regarder des vidéos. Ça peut être écouter des audios. Ça peut être lire des articles. Ça peut être énormément de choses. Je ne peux pas tout vous dévoiler, bien évidemment, mais c'est cet accompagnement-là au quotidien qui va faire que je vous prends par la main de A à Z pour vraiment augmenter votre score d'une manière incroyable en 30 jours. On me dit, est-ce que le paiement est sécurisé La réponse est oui, le paiement est 100% sécurisé. Je vous fais une démonstration rapide. Hop, on clique directement sur le lien. On arrive directement sur la page d'inscription. Comme vous le voyez, la page d'inscription, on a un... Euh, petit cadenas qui veut dire que tout simplement la page de paiement est 100% sécurisée. Vous rentrez votre nom, votre prénom, euh, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Si vous avez une entreprise, marquez votre entreprise. Sinon, vous marquez votre adresse. Ensuite, vous pouvez régler par carte bancaire ou par PayPal, euh, tout simplement. Et euh, voilà. Et après, il ne vous suffit plus que de valider. Donc, page sécurisée et règlement par PayPal ou par euh, tout simplement. Euh, Carte bancaire, donc dans les deux cas, bien sûr, c'est 100% sécurisé. On me dit également pendant combien de temps est-ce que j'ai accès à la zone monde Est-ce que c'est euh, ben là, juste pendant 30 jours et après c'est fini La réponse, c'est non, vous avez accès à la zone monde à vie, tout simplement. Est-ce que c'est accessible à tous les niveaux Oui, c'est accessible à tous les niveaux, peu importe votre niveau de départ, vous allez pouvoir bénéficier de cette formation pour vous améliorer en anglais. Est-ce que c'est 100% à jour avec la dernière version du TOIC Alors, deux choses importantes. Non seulement c'est 100% à jour avec la dernière version du TOIC, donc ça c'est déjà extrêmement important, bien sûr, parce que ce serait dommage d'avoir une formation qui n'est pas à jour, mais en plus, vous allez bénéficier à vie des futures mises à jour de la formation par rapport aux nouvelles versions du TOIC. Je souhaite m'améliorer en anglais sans forcément passer le TOIC. Est-ce que ça peut m'aider La réponse est oui. Même si euh, vous ne souhaitez pas passer le TOIC dans l'immédiat, la formation peut vous aider. Pourquoi Parce que vous allez acquérir du vocabulaire, vous allez avoir un accompagnement au quotidien. Donc ça, bien sûr, que ça va vous aider. Rien que la méthodologie que je vous enseigne dans les cinq premiers modules, ça va vous faire gagner des années et des années euh, de niveau d'anglais. J'ai moins de 30 jours, est-ce que ça marche La réponse est oui. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Andy, j'en repartagerai un autre avec vous. J'ai plus de 30 jours. Est-ce que ça marche aussi Bien sûr, parce que vous pouvez bénéficier de l'accompagnement et du coaching TOIC 30 jours sans aucun frais supplémentaire pendant justement plus de 30 jours. Et euh, ben ça, tout simplement, ça vous permettra de progresser encore davantage. Par rapport à ce temps-là, hein, j'ai eu l'exemple de Soukaina également qui a dit Bonjour Stéphane, je tenais à vous remercier pour votre coaching. Aujourd'hui, j'ai eu mon TOIC à 880 points et je suis passé de 675 à 880 points en 20 jours. Et ce score me permettra d'obtenir mon diplôme d'ingénieur. Et honnêtement, un diplôme n'a pas de prix et je continuerai à appliquer vos méthodes et vos conseils qui marchent très bien. Et je suis capable aujourd'hui de regarder un film ou une série en anglais sans sous-titres. Donc, ce qui est extrêmement intéressant avec Sukaina, c'est que non seulement elle a atteint le score qu'elle souhaitait, mais en plus, elle a également un avantage au niveau de loisirs vu qu'elle peut regarder des films et des séries en anglais sans les sous-titres. C'est toujours plus sympa. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette webconférence. Je suis disponible pour valider les inscriptions dès maintenant et également... Pour répondre à toutes vos questions, je vois que Michel a une question est-ce qu'on peut payer avec son CPF Michel, la réponse est non. Pourquoi J'ai proposé pendant l'année dernière l'accompagnement avec le CPF. Honnêtement, euh, j'ai eu plusieurs écueils avec le CPF. Le premier souci, c'est que c'est extrêmement lourd au niveau administratif. Ça veut dire que je consacre plus de temps à faire de l'administratif que à réellement consacrer du temps à mes euh, élèves et aux personnes qui suivent mon accompagnement. Deuxièmement, on est sur un tarif tellement bas que de toute façon, avec le CPF, ce ne serait pas rentable. C'est-à-dire que si je le faisais avec le CPF à 127 euros, euh, rien qu'en frais de gestion, je serais déjà euh, perdant. Ensuite, euh, la dernière chose que j'ai notée qui est arrivée sur plusieurs élèves, c'est que bah, tout simplement, on a une implication qui est inférieure avec le CPF. Euh, pourquoi bah, Parce que tout simplement, malheureusement, quand on fait financer sa formation euh, par l'État, je sais que c'est très intéressant, mais le souci, c'est que du coup, on a moins d'implications parce qu'on se dit, de toute façon, ce n'est pas moi qui paye, donc ce n'est pas grave si je ne me donne pas à mon maximum. Là, euh, ben, c'est vous qui faites un investissement dans vous-même et du coup, ça fait toute la différence. Surtout qu'on est sur un tarif qui est euh, dérisoire par rapport à ce qu'on vous propose sur le CPF, c'est-à-dire que c'est 127 euros en une fois ou 65 euros en deux fois. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Titouan, comment ça se passe pour passer l'épreuve, ben c'est très simple, il te suffit de suivre l'accompagnement et après tout simplement de regarder sur Internet comment t'inscrire au TOIX. J'ai fait un article sur le sujet. Donc, je vais valider directement les inscriptions au fur et à mesure. Hop, je regarde au fur et à mesure directement les inscriptions pendant la conférence. Donc, je vous rappelle que vous avez directement deux possibilités pour vous inscrire sur la page d'inscription, soit par carte bancaire, soit tout simplement par. PayPal. Alors, je regarde directement vos réponses. Donc, Tito, j'ai bien euh, ton retour. Hop, je vous partage également le retour de Kirillos que j'ai déjà partagé tout à l'heure. Et donc, je suis disponible encore pendant quelques minutes pour répondre à vos questions. Je regarde également, hop, je remets, donc on me demande le lien pour s'inscrire à la formation. Hop, je regarde euh, les inscriptions. Hop, voilà. Pour rester dans les 10 places disponibles, euh, Charline, je suis, je pense être convaincu, mais je passe le Toic lundi prochain. Ça risque d'être trop juste. Alors, qu'est-ce que je vais te répondre euh, La dernière fois, pendant la web conférence, il y a une personne qui était là depuis. Euh, six jours, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est connectée à la conférence, elle n'était pas au courant que c'était une conférence qui était principalement pour les personnes qui n'étaient pas encore membres de mon accompagnement, et elle a dit, ça fait déjà cinq jours ou six jours, je ne sais plus exactement euh, que j'ai commencé, et j'ai déjà des résultats par rapport à mon examen du TOIC et par rapport à ma compréhension d'anglais. Donc moi, je te dirais, même pour sept jours, même pour une semaine, ça peut largement t'aider. Voilà, après, tu fais ce que tu veux. Et moi je pense personnellement que tu vas pouvoir progresser grâce à cet accompagnement parce que justement je l'ai créé pour ça. J'ai bien dit tout à l'heure que peu importe le temps que vous avez, vous allez pouvoir bénéficier de cette formation, surtout par rapport aux cinq bonus qu'il y a au départ qui vont rien que tout simplement vous aider à améliorer extrêmement rapidement votre vocabulaire. Imaginez, vous avez allez, on a dit que votre examen du TOEIC c'est lundi prochain. Donc ça fait combien de jours Ça fait Aujourd'hui, on, on le compte. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait six jours. Six jours, si grâce à l'accompagnement, vous arrivez à obtenir 50, points de toic, euh, 50, pardon, 50 mots de vocabulaire par jour en moyenne, euh, c'est ce qu'on peut obtenir. Et tout simplement, ça veut dire que d'ici six jours, vous aurez déjà euh, appris 300 nouveaux mots de vocabulaire. Donc, vous allez certainement progresser. Ça, j'en suis. Persuadé. Euh, Jean-CR me marque, je suis inscrit. Alors, Jean-Pierre, je vais tout de suite valider ton inscription. Hop, je regarde tout de suite. Jean-Pierre, Jean-Pierre, hop, voilà, je vois qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de valider effectivement leur inscription. Et, 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 et voilà, et effectivement, Jean-Pierre, j'ai bien reçu ton inscription. Elle est bien validée. Donc voilà, il y a actuellement sept personnes qui sont en train de valider leur inscription sur la page de commande. Euh, donc, Jean-Pierre, bienvenue à toi dans l'accompagnement. Euh, comment ça va se passer concrètement ben, Dès maintenant, tu vas recevoir euh, tout simplement euh, mon email de bienvenue avec euh, toutes les informations pour commencer ta formation. Et dès demain matin, tu vas recevoir le premier email du coaching. Voilà. Alors, je regarde, hop, donc là, il y a effectivement sept personnes qui sont en train de se connecter sur la page d'inscription. Donc, si j'arrive à vous le montrer, voilà, hop. Voilà, donc c'est en train de se valider. Hop, je regarde au fur et à mesure. Voilà. Hop. Donc, effectivement, j'ai bien reçu ton inscription. Elle est bien validée. Voilà, hop. Ok, ok, ok. Ok, ok. Je valide un, les inscriptions au fur et à mesure. Donc, on a déjà une place qui est partie. Euh, sept personnes qui sont en train de valider leur inscription sur la page euh, d'inscription de, de, de règlement. Euh, Tito, ça prendra quoi comme forme les épreuves quotidiennes Alors, concrètement, les épreuves quotidiennes, le principe, c'est que tous les jours, tu reçois des mails qui te disent concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter ton score TOIC. C'est ce que j'ai appelé le coaching pendant 30 jours. Ça peut être regarder des articles, ça peut être regarder des vidéos, ça peut être euh, plein d'autres choses. Donc voilà, tous les jours, tu as ça directement dans ta boîte mail pour t'expliquer de A à Z, tout simplement, comment euh, progresser par rapport à ton TOIC. Est-ce qu'on pourra s'inscrire plus tard dans la journée Oui, je laisse euh, l'accès avec tous les bonus jusqu'à ce soir. Euh, minuit donc jusqu'à ce soir minuit ça veut dire que ce soir à minuit ça sera retiré donc euh, directement titouan donc tu gardes le lien que je t'ai donné tu le notes https toïccom slash, slash -to direct j'enverrai après euh, la webconférence également un email avec un récapitulatif de ce mail là mais il vaut enfin de ce lien là mais il vaut mieux que tu le notes donc https reussir slash, slash direct tu fais une capture d'écran, tu prends une photo avec ton téléphone et comme ça, bah, tout simplement, tu pourras y accéder euh, plus tard. Voilà, et on n'arrête pas le progrès. J'ai vu qu'avec l'iPhone, maintenant, quand on fait une photo d'un lien, on peut carrément cliquer sur le lien directement sur la photo grâce à la reconnaissance de texte. C'est un truc de fou, l'iPhone. C'est en train de devenir vraiment euh, technologiquement extraordinaire. Alors, bonjour, est-ce que les articles à lire, les vidéos à suivre, les audios à écouter sont mis à disposition ou c'est à nous de les chercher Alors, bien évidemment, je te les mets à disposition, c'est-à-dire que je ne vais pas te dire comme ça euh, en l'air, tiens, allez, euh, va lire un article. Non, non, non. Je te mets les liens vers les différents articles, je te mets les liens vers les vidéos, les audios. Tout est bien sûr donné de A à Z. Ça serait vraiment embêtant si je te disais, ça, ça serait un peu, euh, allez tiens, vas-y, va, va chercher un article. Non non non, tu es bien suivi de A à Z pendant toute la durée de l'accompagnement et tu as bien les liens vers toutes les ressources, bien évidemment. Voilà, hop, je valide au fur et à mesure les inscriptions. Donc il y a encore énormément de personnes qui sont en train de valider leur place. Hop, voilà. Hop, je regarde directement. Donc, on est actuellement toujours sur sept personnes en cours d'inscription. Ok, très bien. Euh, Titouan, je vais y aller. Merci pour tout et à toutes. Bah, du coup, Titoan, euh, tu as le lien pour t'inscrire. Euh, voilà, tout simplement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions Profitez-en. Je vous repartage juste le retour de Amandine parce que je l'avais vraiment trouvé excellent. Amandine, elle avait dit J'ai suivi la méthode et j'ai décidé de passer le TOIC le 20 février et j'ai obtenu un score de 845. Donc, je voulais vous remercier car jamais je n'aurais pu imaginer atteindre un tel score en moins de 20 jours et vos conseils ont fonctionné pour moi. Et aujourd'hui, je vais enfin recevoir mon master avec un excellent score de 845 au lieu de 785. Ça, c'est le genre de retour que je reçois régulièrement. Donc voilà, pour les personnes qui sont encore connectées, profitez-en pour me poser toutes vos questions et également, pour profiter de l'offre que je vous ai réservée ce matin. Donc, pour les personnes connectées, que ce soit Charline, Gérard, Isabelle, Jean-Marc, Jean-Pierre, Maxime, Michel… Euh, ben, profitez-en tout simplement euh, pour valider votre inscription et de toute, toute façon, je vous enverrai le lien pour valider votre place juste après cette webconférence. Voilà, je valide les inscriptions au fur et à mesure. Je regarde s'il y a d'autres questions. Euh, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais vous laisser euh, l'écran encore pendant quelques minutes avec tout simplement le lien pour vous permettre de vous inscrire. Et ensuite, bah, tout simplement, ça sera retiré, comme je dit, ce soir. Voilà. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions euh, supplémentaires. Ce que je vais vous recommander, tout simplement, c'est deux choses. Bah, si vous avez une question pendant le temps où je ne serai plus disponible, vous envoyez un mail à stéphane.com. Euh, si euh, vous euh, souhaitez tout simplement vous inscrire, vous utilisez directement le lien que j'ai à l'instant à nouveau collé dans le chat ou tout simplement. Euh, le lien que je vous enverrai par mail après la webconférence si vous n'avez pas de quoi noter. Sinon, vous pouvez directement utiliser ce lien-là. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je suis disponible, bien sûr, par simple retour de mail pour répondre à toutes vos questions. Hop. Et je vais maintenant directement euh, quitter la webconférence. Hop. Voilà. Je remets l'accès à la formation pour tout le monde. Voilà. Et. Directement, je vais vous souhaiter donc une excellente euh, journée et du coup, bah, tout simplement, je vais euh, vous mettre en place votre temps d'attente, le temps euh, que vous validiez votre inscription. Voilà, donc profitez euh, tout simplement de cette proposition pour valider votre TOIC, pour profiter tout simplement de l'offre que je vous ai réservée ce matin et je vous dis à très bientôt, euh, à très bientôt. Je vous laisse le lien disponible pendant encore quelques minutes. Au revoir.